Bonjour à tous, c'est Ledé d'Alucard, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Resident Evil 5. J'aurais peut-être dû passer tout ça. Bon, ça m'a pas tant fait perdre de temps. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour combattre la grande méchante avec des bouboules. Alors on va voir un petit peu ce que ça donne en vétéran, je vous promets rien parce que... Alors un œuf pourri ça se vend très cher, voilà, bizarrement. Je vous promets rien parce que bah je suis avec la boulée, donc bon on va voir. Alors 30... Ah mais t'as beaucoup de munitions toi quand même, Shiva. Moi aussi en fait, j'ai beaucoup de munitions. Comment ça se fait qu'on a tout ça? Moi je te donne ça. Moi c'est bon. J'adore la casserole de barre, c'est... j'ai combien de sous d'ailleurs, si j'améliore 3000 là, d'accord, j'ai 4000 là. Sachant qu'il faut beaucoup d'argent au bout d'un moment pour... Ah ouais, mais attendez, j'ai encore tout ça là. Ça m'intéresse, c'est de booster la puissance de mon AK pour qu'elle rivalise un peu avec un pistolet en fait. Il faut savoir qu'un pistolet, je vais essayer de vous montrer. Un pistolet gradé 210-230, alors que finalement, quand vous regardez, la barre est un peu plutôt petite. Là, si vous regardez, même si je vais à fond avec la K74, je n'arriverai pas jusqu'à... je serai pas aussi puissant qu'un pistolet. La raison est due, puis bien sûr, une cadence de tir qui est complètement abusée. Hein. En termes de DPS, un AK-74 est beaucoup plus puissant, forcément, que la plupart des autres armes. Là par exemple j'ai du 480 voire 500, donc extrêmement puissant, mais bon c'est du court distance, blablabla et tous les inconvénients qui vont avec. J'ai pas trop besoin de, je pense, de vous faire un dessin à ce niveau là. Ça paraît pas mal là, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va tenter comme ça. Vous pouvez pas savoir à quel point je me sens bien propre. C'est le mec qui se lave jamais. Non mais en fait, je me suis coupé les cheveux, je me suis rasé, je suis passé à l'après-shampoing, je suis passé par Monts et Merveilles, dirons-nous. J'ai coupé les ongles et tout. Je veux dire, vous pouvez pas faire plus propre. Vous avez la sensation, vous savez, d'être... d'être vachement bien, tranquille. Moi je pense que c'est dans ce genre de moment qu'il faut jouer aux jeux vidéo. Voilà, là je suis bien... Pousse-toi! On a besoin de ça pour le tuer. Enfin, en réalité on n'a pas besoin de ça, c'est pas vrai. On n'a pas besoin de ça, mais sincèrement il vaut mieux. Alors... Boum! Quand tu poses et tu fais pompe! Enfin, le fusil à pompe par contre il va être très utile dans ces moments là. Alors ensuite... Voilà... On fait ça pour essayer d'en éviter un max. Ça marche pas tout le temps. Donc là c'est pareil, on pose ça. Tiens, et si je faisais ça? Non, on garde une pièce. Est-ce qu'elle balance aussi des trucs? Non, elle ne balance pas. Vous croyez que je suis bas si je la laisse. Allez! J'ai jamais essayé! J'ai jamais essayé en fait. Ouais.
Oh merde. Ah il faut se baisser, d'accord. C'est de ma faute. Des fois ça serait cool que tu tires. Oh la saloperie. Je vais essayer d'utiliser mon magnum. Excusez-moi, je suis concentré. Wow. Se calme. Magnum, ça fait du bien. Vous pensez que je dois prendre quoi, sincèrement? Moi, je peux rien prendre. Putain, c'est chaud. Hop. Vise. Moi je suis vraiment concentré, je vous avoue que je parle absolument pas. Mais en fait c'est un boss que j'aimerais énormément passer du premier coup. Et ça marche très bien de laisser Shiva s'en occuper. Du coup c'est moi qui coordonne un peu, vous voyez.
c'est pas plus mal. Voilà. Et bah j'ai passé le boss du premier coup, je suis très très content. Malheureusement, bon, pendant 10 minutes vous allez pas m'entendre beaucoup parler, mais sincèrement, je pense que tous ceux qui font ce boss, qui l'ont fait et tout, savent très très bien qu'il est pas si facile que ça à passer du premier coup comme ça. Donc je suis vraiment content de l'avoir passé. Maintenant ça va déjà être un petit peu moins... Je vais être un petit peu moins coincé du cul pour parler. C'est vraiment une façon très honnête de présenter la chose. Ah donc, ce que je voulais faire... je peux plus améliorer les munitions à ce niveau-là. Par contre, je peux améliorer la puissance à fond. Ça, c'est cool. Alors... Parce que la Smith & Wesson, c'est très rentable d'améliorer la puissance. Il y a des armes finalement que la mitraillette où c'est pas si rentable que ça quand vous regardez la puissance, vous gagnez pas tellement. C'est plus du luxe. Vous voyez ce que je veux dire? J'aimerais bien faire ça. Sans je gagne rien. C'est tout, mais c'est déjà vraiment pas mal. Et je vais la faire utiliser son fusil, Shiva, parce que c'est pas mal. God damn it, Wesker. He's actually serious about destroying the entire planet. On va regarder vite fait ce qu'il y a là-haut. Il y a rien comme truc. Je suis pas sûr qu'on puisse encore se servir. Là, je m'en doutais. Voilà. Donc on retourne à notre petite... Ça c'est un truc qui me fait marrer. Vous avez un putain de chargement pour activer ça. Et là vous en avez un autre. Plus petit, sûr. Mais bon, faut pas déconner. Le jeu est vraiment pensé de manière à ce qu'à chaque fois que vous passez une porte, voilà quoi. Ça va faire bizarre quand même, parce que là techniquement j'arrive vers la fin de Resident Evil. À l'heure où là je parle, j'ai fini, j'ai juste de finir, puisque je l'ai fait aujourd'hui, Call of Juarez Gunslinger. Du coup... voilà, ça va faire deux let's play finis en même temps. Après, le nombre de let's play en même temps sera beaucoup plus petit, parce que je dis ça parce que je pense aussi au fait que Kingdom Hearts va bientôt être fini, et que Skull of the Shogun est vers la fin. Quant à Dark Souls, c'est un jeu qui malheureusement prend énormément de temps. Enfin, quand je dis qu'il me prend énormément de temps, c'est que, en gros, je vais encore échouer pendant vraiment longtemps parce que j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce jeu. C'est un jeu où en fait le fait de pas être guidé c'est bien, mais enfin c'est le jeu qui veut ça. Mais faut quand même avouer que ça reste compliqué évidemment si vous savez pas forcément où aller. Et moi je cherche pas vraiment sur les sites de solutions ou autres où est-ce que je vais pouvoir passer pour pouvoir continuer à jouer. Exactly. The plane can't get shot down. If it does, we'll initiate a biohazard. It's just like Joseph said. He's planning to spread this virus worldwide. Looks that way. Things are worse than I thought. We have to stop him here and now. Au final, les gens critiquaient ce Resident Evil 5 par rapport à son histoire, mais faut quand même avouer que répandre le virus de Resident Evil, enfin là c'est Ouroboros en conséquence, mais le répandre dans le monde, ça n'a pas toujours été forcément ce que voulaient les gens. Hein. Dans le 4, c'est pas vraiment répandre le virus à travers le monde quand on y pense en fait. C'est plus du... conquérir le monde en faisant tous des sujets quoi. Oui, je considère que c'est pas pareil. Parce que là, c'est carrément créer une catastrophe biologique. C'est pas pareil, hein.
catastrophe biologique qui va tuer tout le monde. Et un mec qui voulait tout simplement conquérir le monde en les contrôlant, en assergissant. J'essaye de trouver le bon mot. On va aller par là ramasser les sous. Il me semble que ça va beaucoup se compliquer là après. Parce que il va falloir passer des boss secondaires. Il me semble. Et je crois que c'est vraiment horrible. Déjà j'ai l'impression que ça arrive. Wow! J'ai vu une grenade, j'ai fait ah ok. Voilà. On va faire en sorte à ce qu'il nous atteigne pas. Merci Shiva. Shiva est beaucoup plus réactive dans les autres modes de jeu. Il y a juste mais pas photo. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis en train de me galérer pour passer des certains trucs avec Shiva. Alors que normalement c'est beaucoup plus simple. Je suis pas mécontent d'avoir changé mon pistolet contre une mitrailleuse. Sincèrement les mecs, je fais mieux avec une AK que elle avec avec son fusil. Moi je dis ça. Un mec au bazooka, elle le déclinque même pas. C'est de la figuration quoi ce qu'elle fait. Bon, une fois qu'elle fait quelque chose de bien. Regardez. Mais pourquoi tu l'as pris sincèrement? Vous allez me dire, les ennemis sont pas plus intelligents. Non, le fait que c'est des zombies, ça résout beaucoup de problèmes hein, quand on y pense. Ils sont très cons. C'est normal, c'est des zombies. Bah, y a pas photo. Hein. La mitrailleuse de la. Enfin l'AK hein, du moins. De proche. Ouais. Bon là je suis d'accord que tu souffres. Non attends. Oh mais sérieusement, ça par contre c'est encore un truc qui a été ultra débile. La touche d'action qui permet de monter comme ça. Il y a, de nos jours, les jeux vidéo n'ont même plus de saut quasiment. Quoi. Ils sautent plus. Il devrait y avoir un truc différent pour chacun. Go okay. Je suis désolé, mais c'est pas pareil. Là, je cherche de la vie en fait. Cherche de la vie. Le problème c'est qu'à force de chercher comme ça,
Je vais me retrouver avec de la vie, ouais, mais en herbe verte, c'est pas vraiment ce que je veux. Mais d'un autre côté, c'est mieux que rien. Je fais de la vie pour l'autre là, parce que c'est elle qui s'est fait toucher. Hein. Encore une fois, hein. Ça serait un vrai joueur, il se serait pas fait toucher. Comment ça ouvrir? Ah, excellent! Bon, grenade d'azote. Ah, attends, les grenades d'azote, c'est pas celles qui sont méga surpuissantes et tout, parce qu'elles permettent de tuer presque n'importe qui. C'est peut-être parce qu'il y a les DJ, après, qui nous permettent d'avoir ça. Parce que je suis pas sûr que... Excellent. Bon, là, par contre, j'en ai du soin. Hein. Tout ce qui est mine, tout ça, malheureusement, je peux pas le prendre. Je vais vous avouer que ça me donnait envie, là, sur le coup, mais... Ça va pas être possible. À moins que Shiva jette ses trucs. Garde tes grenades. Ce que tu vas faire, c'est. M'en donner une. On tournera en arrière s'il faut, mais. J'aurais bien aimé trouver du magnum là. Bon magnum, ça aurait été vachement cool. Il faut être chacun de son côté. Ah, il me semble que c'était un endroit qui était vachement dur. On avait énormément eu de mal avec Monsieur le Docteur en professionnel, tout du moins. Ça ouvre les cloisons en fait, et là il va y avoir des insectes qui vont débarquer. Seul. Ah, j'allais dire. Non. Oh là 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 là. Bon, c'est pas grave, ça a sauvegardé juste avant. Vous avez vu que normalement, faut pas avoir peur de ces insectes-là, mais là, malheureusement, j'ai pas eu de bol. Ça, on va les vendre. Ça sert à rien. Je vois même pas pourquoi tu les as gardés. Moi, je les vends même pas tous parce que je suis débile. Vendre. Tac, tac. Écoute, les mines, on va les prendre. On va les m'arranger. Hop. Prendre des mines. Ça me donne bien envie, les mines. Du coup, faut que j'aille les rechercher, forcément. Normalement, les insectes, vous devez pas avoir peur d'eux, vous leur mettez des petits vents, et derrière, bim bim, vous les tuez en quelques coups, ils sont vraiment simples. Mais là, je me suis raté. Je l'avoue direct. Alors, les mines, c'est plus pour les DJ qu'il y a après. Je vais essayer de m'en occuper. Alors, je dois avouer que Resident Evil 5, quand même, de bonnes idées pour le mode multi comme ça. Parce que là, forcément, on aurait été deux joueurs, on aurait dit ouais, comment on fait pour les DJ, comment on s'en sert et tout, ouais. Comment on s'arrange. Peut-être faire comme ça là. D'abord mitrailleuse. Oh. Voilà. Ouais. Bah moi je dis ça, mais la Kalachnikov, elle est vraiment pétée. Sincèrement. Moi je vois pas. Je vois pas mieux. Voilà, je vois pas mieux. Elle est plutôt précise, elle est rapide, bon, elle a un bon petit recul, ça c'est clair. Vachement long quand même. Ils auraient dû capter qu'on allait passer ces insectes beaucoup plus facilement. Là, il
Là, c'est là que ça devient... Là, ça devient le bordel. Ah là, ça va vraiment être dur. Non, là, ça va vraiment être dur. Oh, faut avouer. Comment je vais faire? Faut savoir que ce moment-là, il est vraiment horrible. Oh putain, ça a pas compté comme quoi que j'ai été chercher les mines. Ouais, bah, tant pis, hein, désolé, mais... C'est déjà méga long de... J'essaye encore une ou deux fois et j'arrête. On n'a pas beaucoup avancé, au final. Alors le truc, c'est que l'insecte, là, faut l'attendre un peu. Putain. Allez, meurs. Oh, sérieusement? Normalement, il meurt d'un coup. Oh, allez, vas-y, tue-moi, t'as raison. Ça, c'est extrêmement énervant dans le sens où, en fait, normalement, vous faites ça en 2 secondes. Et là, vous vous retrouvez piégé avec ça, ça me saoule. Sinon, je vais faire un truc plus simple. Ouais, je vais m'en servir pour au moins une. C'est saloperie. J'y vais, elle a pas tout compris. Alors, je suis même pas sûr que ça la tue, hein, en fait, faut que je vais être sincère. Ça lui fait rien. D'accord. Putain. Why? Oh, mais sérieusement? Crève! Oh, putain! Oh, c'est... Hey, mais... Normalement, elle meurt en 2 secondes. Et bien évidemment, quand tu sais que... En plus, c'est ça qui est énervant, parce que vous savez qu'après, vous avez une phase encore plus chiante, une phase encore plus casse-couille. Et ben, vous allez devoir la recommencer à chaque fois, celle-là, là, cette petite phase de merde. Parce que vous êtes même pas sûr, du coup, d'arriver jusque là-bas. Ah, c'est complètement au hasard. Un coup, ça marche, un coup, ça marche pas. Un coup, une seule, ça vous en tue, ça vous tue tous les deux. Oh non, mais sérieusement, c'est trop rapide. Voilà. On va en mettre une là. On va attendre là. C'est pas qu'en mur. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Alors par contre là, j'ai laissé mon Facebook ouvert effectivement. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas si ça vous fait pareil, si vous avez des amis qui vous font exactement la même chose. Moi j'ai des amis en fait, quand vous répondez pas sur Facebook, ils pensent que s'ils vous spamment, vous allez répondre plus vite en fait. Ouais. Putain! Est-ce que Shiva va me suivre? J'en sais rien. Why?
merci. Alors, je sais qu'il y a quand même une astuce. Vous avez la possibilité d'avoir une mitrailleuse, en fait. Ici. Et à partir de là, normalement, quand vous les utilisez... Ouais... Non, pas eux! Qu'est-ce que tu fais? Voilà, quand tu t'en sers contre eux, c'est plus simple. Wow. Prends ça. Voilà. D'ailleurs, c'est la seule technique réellement extrêmement efficace que je connais sur eux. Tout le reste, jamais vraiment. Attends, on va récupérer tout ça. Jamais. Alors, on va éviter de se faire shooter comme des bites. Comme il est des fois possible que ça arrive. Deuxième. Il faut aller chercher à chaque fois les cartes. Alors, finalement, c'était pas si dur. Faut vraiment avoir la technique. Donc là, moi, je vais prendre les munitions et autres qu'on me donne, hein, bien sûr. Faut pas déconner, je pars pas sans ça. Alors, c'est sincèrement, c'est plutôt le spray de premier secours qui m'intéresse là. Hop, on va utiliser ça. C'est peut-être un peu du gâchis sur le coup là, mais j'aime bien me savoir full life. Je savais que sur la gauche il y avait une mitraillette, enfin une mitrailleuse plutôt. Et avec Monsieur Hunter, on avait fait un peu pareil. On était passé comme ça, et on les avait massacrés comme ça. Alors qu'on avait essayé pas mal de fois. Et à part le lance-roquette, il y a un moment où on voyait même plus d'alternative. On avance un petit peu plus quand même. Est-ce que ça va sauvegarder et tout ça? J'aimerais bien. Il me semble que là, on va arriver... Ouais. Alors... Je regarde la sauvegarde, hop, voilà, petit spoil pour ceux qui ne connaissaient pas. Mais on va se battre contre Wesker à la prochaine vidéo. Voilà. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. C'était LDDLKR qui vous a présenté la suite de son Let's Play sur Resident Evil 5. N'oublie pas que les vidéos sont faites pour s'amuser. Et surtout, à la prochaine. A plus.